première apparition à la télévision. Et vous êtes absolument incroyable dans ce film. Je fais le rôle d'un trafiquant de drogue de Marseille, originaire du Kosovo. Vous gérez un groupe d'enfants qui sont des mendiants. Où avez-vous appris ce métier ? J'ai commencé au théâtre de l'Atelier quand j'étais petit. J'avais 10 ans, c'était mon premier cours de théâtre. Et j'ai dû passer 6 ans là-bas. C'était un cours amateur, hein, mais j'ai beaucoup aimé apprendre là-bas. Et ensuite, j'ai fait un an de cours à Boulogne. Et puis voilà. Hein. Est-ce que j'ai vraiment appris le métier? Je sais pas. Là, je l'apprends sur le tas un peu. J'avais jamais joué caméra. J'étais même pas passé devant un caméscope, pour tout vous dire. Donc, Comment vous avez été amené à jouer ce rôle? On m'a trouvé dans la rue, en fait. Il n'y avait pas de collier. On l'a ramené. Parce que je sais qu'au Festival d'Avignon, vous gagnez votre vie, vous distribuez des flyers. Voilà, tous les étés, fidèle au poste, je distribue des tracts à Avignon. Et voilà, j'ai rencontré Okinawa, qui m'a demandé si j'étais comédien dans la rue, alors que je rentrais, pour être tout à fait honnête, complètement en gueule de bois des cernes jusque-là. Okinawa est notre directrice de casting. C'est elle qui a fait le casting de la série. Elle m'a demandé si j'étais comédien, je me suis retourné, je lui ai dit avec énormément d'assurance, évidemment. Ce qui n'était pas vraiment le cas, hein. Mais bon coup de bluff et voilà. D'où venez-vous? Que fait votre maman, votre papa? Ma mère est styliste et mon père est sculpteur et peintre. Et je viens de Paris en fait. Je viens du 9e arrondissement, c'est là où je suis né. Et voilà, jamais quitté la ville encore. Des cours au théâtre de l'Atelier, vous avez fait un passage dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, non? Ouais. C'était une des pièces de fin d'année. On avait la chance de pouvoir jouer dans cette salle, qui est une belle salle, hyper jeune, avec deux représentations par an. On se marrait bien. Comment s'est passée votre rencontre? C'est drôle, parce que c'est vrai que Soumaï, c'est ce petit pourcentage d'acteurs qui vont être sollicités. C'est toujours des histoires, moi, qui me font rêver, parce que je me suis tellement battue pour faire ce métier. Je trouve ça toujours fascinant. En fait, les histoires où on vous attrape comme ça dans la rue pour vous donner un premier rôle, je me dis, mais ça n'arrive jamais. Eh bien, si, écoutez, de temps en temps, ça arrive. Non, ce qui m'a marqué, c'est que je me suis dit, bon, Soumaï, il n'a jamais joué. Il va falloir que je prenne les choses quand même beaucoup en main pour le mettre à l'aise, pour bien faire sûr. En sorte qu'il se sente bien, sans... sans faire la vieille actrice qui va t'expliquer le métier, hein, évidemment. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que je le prenne en charge. Et c'est, mine de rien, du travail en plus. Et en fait, je n'ai absolument pas eu besoin de le prendre en charge parce qu'en fait, il a fait illusion super longtemps. On a toujours eu l'impression qu'il était totalement à l'aise. À aucun moment, je me suis dit, c'est son premier tournage. Il y a besoin de le rassurer. Mais en fait, si, il avait un peu les pétoches. Mais comme il joue hyper bien... Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je ne peux pas croire que ce mec tourne pour la première fois. Il m'a l'air, rien ne semblait nouveau pour lui. J'ai 21 ans. 21 ans. Mais il faut savoir que j'étais vraiment tétanisé. Hein. C'est juste que moi, normalement, je suis un bavard. Et quand je suis tétanisé, je sombre dans le mutisme et les gens prennent ça pour de la confiance. Alors ben, soyez tétanisé longtemps. Donc, il avait un livre et puis, entre les prises, il lisait comme ça. Et j'étais là, je dis, mais c'est fou quand même. Mais moi, j'aurais été dans un état... J'aurais été surexcitée. Mais non, il est là, il s'assoit dans un coin, il bouquine. Donc j'étais assez impressionnée. Rétrospectivement, on s'en est parlé, il m'a dit que c'était un peu du bluff. En tout cas, ça marchait vachement bien. Du coup, moi, je me suis dit, a priori, il n'a pas besoin de toi, va pas l'emmerder, il a besoin de rien. Et ça s'est très bien passé comme ça.